putain, la tête dans le cul. C'est quoi ce boucan encore? Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans un nouvel épisode de Dragon's Dogma Dark Arisen, l'ode d'Angus McFife. Et oui, car vous pensiez que c'était fini, eh bien non. En effet, je suis à la maison avec ma femme et ma fille adoptive gothique. Et mes pions qui sont toujours là. Et j'ai gagné du stuff. Parce qu'il faut le savoir que quand vous triomphez du dragon dans Dragon's Dogma, vous gagnez du stuff, armes, pour votre classe. Et le stuff que vous portiez est en dragophosie, c'est-à-dire que c'est une amélioration au-delà du niveau 3. C'est-à-dire la meilleure évolution, évolution on va dire, pour le jeu de base. J'ai gagné une nouvelle épée. Comment va ma chère petite femme? Mais t'inquiète pas, n'importe qui se serait chié dessus. T'inquiète, tout à l'heure tu t'es bien fait pardonner et même que tu pourras encore œuvrer pour te faire encore plus pardonner. Parce que je suis pas content. C'est très mal. T'inquiète pas. Il a pris sa pâtée, même s'il était un adversaire honorable. Titi, adversaire honorable. Oui, peut-être au niveau des cheveux. Non? Ou des écailles? Mais t'as fini de dire des conneries! En effet, tu as très bien fait de rester à l'arrière. Normal, c'était que entre moi et lui. On n'a rien fait de plus juste que se foutre sur la gueule, hein. Va pas croire des trucs, hein. Mais il y a des écailles qui me sont poussées ou quoi? Je suis unique, l'autre est à faire valoir. T'inquiète pas, viens, on va faire une petite sœur à Célène. Oh, salut ma petite, tu te plais ici? Oh. Mais non. Oh, tu m'énerves. Tiens, joue avec des fleurs. Voilà, fais-moi de la bière. La bière. Glou-glou. Bien. Alors, est-ce que là-haut c'est toujours le... Où est ma compagne? Et... Qu'est-ce que vous faisiez devant la fenêtre? Bande de salauds. Bon. Bah il fait toujours un temps pourri. Ouh. Elle nous suit. C'est cool. Alors que ça vous déplaise. Non. Takana. Takana. Je vais prendre des dagues. Alors me demandez pas comment je les ai. Ça vous regarde pas. Voilà. Oui, parce que l'assassin peut se battre avec un bouclier et des dagues. Et franchement, ça rend stylé. Toujours ça. Noir, assassinat, baiser mortel. Très bien. Allons-y. Alors, je crois qu'on nous attend à Gran Soren. Alors, allons-y. Gran Soren. Gran Soren. Avec un peu de papaye pour accompagner le tout. Et ce qui est bien, c'est que les vieux qui disent bah, manger 5 fruits et légumes par jour peuvent rien me dire parce que c'est les fruits. Ah ah. The Duke awaits. I fear for the others in the castle besides, though 'tis small mercy to be spared only to face this world. Perhaps we'll all be wishing the earth devoured us ere long. Ah oui, oui, votre problème de trou. Comment dire? On pourrait croire que c'est pas, on pourrait croire que c'est ma faute, mais j'ai des arguments. En effet, j'étais pas là. C'est tout ce que j'ai. Bon, le duc veut sûrement me récompenser pour avoir triomphé du dragon, chose que lui n'a pas pu faire. Hein, ce qui veut dire qu'il a dû sacrifier sa femme pour être duc, le félon. Mais ça c'est les pistons, ça c'est... tu payes pour aller à un poste prestigieux, c'est dégueulasse ça. Monsieur le duc, je suis de retour. Salut Aldous. Ouais, je vais aller voir pour toucher la récompense. Monsieur le duc. Bonjour. You met with the dragon. Bah c'est un peu pour ça que vous m'avez engagé. Monsieur le duc, sortez, ça vous fait peur. Sortez, monsieur le duc, vous faites très peur là, caché dans l'ombre. Bah je l'ai tué. Ah, zombie! Ah non, un vieux. Vous voulez de l'aide? Oh! Ah non, un zombie. Bah si, il suffit juste de se bouger le cul. Non, ça c'est toi. Papy, t'as Alzheimer. Alors tu vas baisser d'un ton parce que c'est exactement ce que t'as fait, hein? Sauf que moi je l'ai pas fait. Arrête, tu vas te faire mal, t'as de l'arthrose. Arrête papy, sérieux, arrête. Ah, arrête! Papy, s'il te plaît. Papy, oh, j'ai pas envie de te faire mal. Papy! Arrête! Ça suffit! Arrête maintenant! Papy! Ah! Mais calme-toi! Papy! Ça... Bon, tu m'emmerdes! Ah! C'est bon, t'es calmé? Je peux tout expliquer. Eh ben... votre grâce, il a un peu 150 ans. Non. Non, non. Mais l'écoutez pas, il est sénile. Mais il est aussi crédible que Jacques Chirac il y a à la fin de son mandat. J'ai rien contre Chirac, hein. Non mais si. Vous allez pas croire un vieux sénile. Non. Mais réfléchis, si je voulais prendre ta place, pourquoi je détruirais la ville, gros con? Si, mais quand il est mort. Oh, puis tant pis. Autant raisonner avec des murs, eux au moins ils me laisseront parler. Bon, ciao. Et merde. Vous voulez la guerre? Vous allez la voir. Je suis insaisissable. Wouh. Insaisissable. Je suis un assassin. Chou. Et au suivant de ces messieurs. Bon, je crois que je vais vous montrer une autre technique de l'assassin. La fuite. C'est bon les trucs. Oups. Ma cupidité m'a duperie. Mais j'ai fait tout ce que vous m'aviez demandé. Bande d'enfoirés! Je vous emmerde! À la guilde des pions! Ils me protégeront, je suis le maître des pions! Oups! Pas la guilde des pions! Oups! Eh merde! Bon! Pour parler? Ça va pas marcher avec le dragon, mais que ça peut marcher avec vous. S'il vous plaît, soyez gentils. Enlevez vos épées. Voyez. Subissez ma colère. Bon, c'était pas prévu ma colère là. Le peuple des airs est avec moi. Tout était calculé. Faut cracher dedans. Ok. Inception. D'accord. Donc là, on peut dire que c'est globalement la merde. À peu près. Aïe. Bah dis donc. Je peux le refaire? Tiens, test. Vas-y, test. Toi aussi. Fais pas l'enfant, test. Oui. Evin, tu es un bon élément. Oui. Ok. Oui. C'est rigolo. Oui. Aïe. Qu'est-ce que ceci? Qui parle? Qui donc? Quand es-tu arrivé? Toi, tu me dis quelque chose. Oh. D'accord. D'accord. Et après elle me regarde mais elle dit rien. D'accord. Bon. Donc faut que je saute hein. Ok. Petit coup de soin. Et Vin, je sais pas ce que tu fais, mais j'ai demandé du soin, tu sais. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, bon, je demande du soin, il s'entoure de crâne. Oui. Là, celle-là. Aïe. Blah. Bonjour. Bah disons, c'est plus fréquenté qu'avant. Bonjour. Oh, t'es moche. Ah, une salle. Il y a des trésors, le trésor du dragon. Ah bah non. Bonjour. Oh, du soin. Merci pour le soin. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me dire qu'est-ce que c'est cet endroit? Toi, à la grande épée, je te préfère. Bonjour. Ah. Donc apparemment, il y a des pions qui sont ma boule. D'accord. Donc apparemment ici c'est rempli de pions qui n'ont pas pu... qui ont accompagné leur maître dans une quête, sauf que leur maître est mort. Moi je m'en fous, j'ai une 30 pierres éternelle. Ça je m'en fous. Tu pourrais arrêter de ramasser de la merde, David. Bon. Ah, qu'est-ce que c'est? Dogmadex. Œil maléfique, créature du monde obscur utilisant la magie noire. Le grand œil lui permet de lancer des sorts dévastateurs, tandis que les tentacules, lançant des sorts inférieurs, peuvent apparaître n'importe où via des portails magiques. Évitez de crier Yamete, cela peut l'énerver. Oh putain, quelle horreur. Et donc si je fais Yamete... Ah oui, ça l'énerve. Bah, à l'attaque. C'est une monstruosité qu'il faut renvoyer au chaos. Oh putain. Attaque! Aïe. Il semblerait qu'elle soit protégée par un bouclier. Aïe. Bah, faut taper le couille qui dépasse de son trou. C'est dégueulasse. La couille. Il mange sa couille d'ailleurs. Hey! Oui! Il est où? Où qu'il est? Où qu'il est? Il est là! Tapez la couille! Elle est sortie la couille! Oui mais... C'est bon, t'as fini là? Coup de pied dans la couille. Reviens! Putain, mais Evin, calme-toi. Putain, Evin, quand il est en colère, il est en colère. Hein. La couille! La couille à taper! Crève! Seigneur que c'était moche. Oh non de moi. Oh. Des choses. Une pierre de réveil. Deux pierres de réveil. Bon! Et donc il y a ces horreurs dans toutes les salles. Eh bah merci mais non merci. Moi je préfère retourner à l'air libre. Cette place, c'est la merde, Davin, tu devrais le savoir. Bon, comment on fait pour monter? Ah mais je suis con. Transpire éternel. Gran Soren. Petite papaye. Donc cet endroit c'est la merde. Moi perso, j'ai prouvé ma valeur. Je me sens digne d'être le successeur de Angus McFife. Donc, je vais pas me mêler à ces conneries. Jamais, jamais, jamais. Angus McFife. Oui. Tu te crois digne de marcher sur les traces de ton ancêtre? Bah plutôt deux fois qu'une. Eh bien, il te reste encore beaucoup à parcourir. T'es qui pour me dire quoi faire, bâtard? Descends que je te fasse la peau. Il y a parmi au-delà des mers une puissance incommensurable qui pourra t'aider à te rapprocher des hauts faits de ton ancêtre. Et pourquoi je le ferais? Parce que t'adores les défis. Bah d'accord. Et donc c'est où cette glorieuse quête? Où est donc cette force incommensurable que je dois affronter pour être enfin Angus McFife? Cette force est cachée au-delà des yeux des mortels. Réunis la puissance du Drake, de la Wyvern et du Wyrm pour révéler son endroit. Et je les trouve où, les trois? Dans le monde. Et sinon, plus d'indications. Bâtard. Vous avez vu mon jeu d'acteur et tout, hein? Tranquille, moi je te fais des effets spéciaux. Tout. Bref, nouvelle quête! Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Bonjour. Toi, je t'aime pas. Oh, mais c'est la gourgandine! Ouais. 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 Ça fait deux fois que tu m'insultes. And upon such clients he bestows an idol, so as to prove his favor. If I can recover such a figurine, I would have singular right to peddle his wares in these parts. There is no cost I will not bear to gain this icon. So what say you, Arisen? Will you retrieve an idol for me? This is a job most suited to your talents. I pray you will not fail me in it. You'll find not but the finest ware. D'accord. Bah, en temps normal, je t'aurais dit non. Parce que t'es qu'une connasse. Mais t'as parlé d'armes, donc ça m'intéresse. T'as des armures rigolotes? Non, t'es de la merde. Bon, bah alors... Ok, bah pour une raison qui m'échappe totalement, j'en ai en banque. Ça va sûrement être les... Mon larbin qui a dû les ramasser. Oui! Je peux faire des roulades. Ah, t'as déménagé ici, toi. Ah oui, c'est vrai, ton échoppe est un peu en bas. Elles sont où mes idoles? J'avais des idoles. Ah! Là, voilà. Ouais. Madeleine! Marie-Madeleine. Tiens, lave-la ta breloque. Ouais, c'est cool. Sache que je re... Oh, tunique sylvestre. Pour se cacher dans les bois. c'est des femmes. Culotte rembourrée. Ouais, c'est cool. Je reviendrai pour prendre tes nouvelles armes. Alors, nous devons nous mettre en quête de 3 dragons. 3 dragons mineurs. Alors. Selon les vieilles légendes que j'ai lues dans une autre vie, hein, d'une autre vie qui découle de ma tête et de mon imagination, je sais que les Drake arpentent les plaines. Parce qu'ils cherchent des adversaires. C'était décrit dans le Dogmadex. Ils cherchent des adversaires à leur taille. Donc peut-être que dans la plaine, sûrement près de Grand 6, hein, vu que Grand 6 regorge de chevaliers, peut-être qu'on devra en trouver un. Et on va s'équiper cette fois pour la chasse aux dragons. Les chiens de l'enfer! Attaquez! Voilà, je la ralentis. Flèche d'anesthésie, ça ralentit les... Voilà. Cette fois, elle sera moins chiante à choper. Parce que ces saloperies, ça court partout. Voilà. Les succubes. Faut les coucher, voilà. Help! Help! Couchez-les! Ah, facile. Aouh. Elle m'a crié dessus comme quelqu'un dont je ne citerai pas le nom. Aïe. Aïe 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 aïe. Hey. Eh mais il m'emmène ce bâtard. Lâche-moi. Mes boules sont pas des rognons. Là-bas. Il est là-bas le dragon. Voilà notre première victime de notre quête. Le Drake. Ah! Encore! Oula, oula, oula. Couché! Couché! Caillé t'es dit couché! Aouh. Caillé t'es dit couché, tu te couches! Ouch. Il veut pas se coucher. Dans les papates. Bon, il est plus là. Flèche d'ail saisie pour le ralentir. Ouh. Mais laisse-moi tirer ma flèche, bordel. Putain, le poison prend pas. Putain, mais t'es... Ouh, il est en l'air. Bingo! Ouh. Vous en faites pas, j'ai mon brevet de secouriste. Je t'ai fait mal à bâtard. Oh, secouriste, secouriste, secouriste. Hop, hop, hop. Voilà, secouriste. Ouais, ça suffit. Hop. Tu le touches pas! Ouch. Ça c'était une baffe dont j'aurais pu me passer. Putain, j'y vois rien avec son aura de guérison. Là. J'ai vaincu un dragon 10 fois plus grand que toi. C'est pas toi qui vas me faire chier. Lâche-le! Bon, achevez-le, je suis fatigué. Ouh! Bingo! Oh merde! Enlève la patoune! Merde, j'ai pas vu la marche. Help, je brûle! Please. Ce qui monte finit toujours par redescendre. L'arbre maudit l'a bien compris. Maintenant on attaque. Tu seras le premier sur ma liste de proie. Coup de pied. Et voilà. C'est quoi qu'il fallait prendre? Les écailles? Sûrement. Bien! J'ai mon premier! À mon avis, il faut une partie de chaque dragon. Bien, alors, ensuite. La Wyvern. Dogmadex! Wyvern, dragon inférieur maîtrisant la magie de foudre. Ayant les humains en horreur, il cherche à s'isoler, ne sortant que pour chasser. Plus colérique que le Drake, il n'affrontera ses ennemis que pour les dévorer. Ok, donc apparemment la Wyvern ne semble pas apprécier la compagnie. Où est-ce que j'irais si j'appréciais pas la compagnie des autres? Si je voulais être seul, j'irais... un endroit isolé... Voyons la carte. Un endroit isolé, Là, non, c'est là où il y avait le dragon. Là, c'est une caverne. En plus, c'est une caverne souterraine, c'est certainement pas là. Fort de la Drette, c'est fréquenté. Qu'est-ce qui n'est plus fréquenté? Là, c'est le fief, donc il y a du monde... Ah ah! C'est vrai que dans cette tour de la lune bleue, il n'y a plus personne. La Wyvern est sûrement là-bas. Magie du script et tout. On va buter les 3 dragons. Et on va lancer la quête après. Dans le prochain épisode. Voilà, c'est là. Voilà. Tais-toi, Evin, s'il te plaît. Casse pas l'ambiance. Si je cherchais la solitude, c'est exactement là que j'irais. Prudence. Il y a peut-être un... Bingo. Solitude et bouffe à proximité. Des squelettes! Enchaînement! Non, c'est Walking Dead la série, s'il te plaît. Bim! Je massacre tout le monde, moi, qu'est-ce que j'ai un fou. Temps est coulé, ta gueule. J'ai dit qu'on finissait les dragons. Wouhou! Bah dis donc, elle est moins fréquentée que je pensais cette tour. Parfait. Oui, je sais, vous n'y voyez rien. Attendez. Voilà. J'entendais les os. Nya! Ouh, c'est froid. En plus, je suis immunisé avec l'éclair. Ah! Sauf ces putains de mâches squelettes à la con là. Bon, tant pis, on fonce. Yo! Merde! J'ai raté la marche. Putain, mais il veut pas se raccrocher en plus, ce con. Où est-ce qu'ils sont? Voilà. J'entends un ronflement. Grognement. La Wyvern. Attaquez! J'adore sa langue. En tout cas, elle est pas contente de me voir. Allez, comme ton frère le dragon. Bingo. En plus, c'est sur son dos. Ça, j'adore. Jamais! Tu étais tranquille dans ta tour et je viens te tuer comme le plus pitoyable des Américains chasseurs que je suis! Mais tu as quelque chose que je convoite et je vais me servir parce que je suis un humain. Je suis un homme. Et les hommes volent toujours les choses dont ils veulent. Bam! La flèche... Ah, ah! Dégage-toi! La flèche de Dieu! Bim! Redescends! Oh putain sa bouche, oh putain sa bouche, oh putain sa bouche, oh putain sa bouche. Je me suis accroché à toi, qu'est-ce que t'en dis de ça? Voilà. Je crois bien que j'en suis désolé, à petit dragon, hein. Mais c'est juste la voix de la richesse qui m'a dit de faire ça. Et j'obéis à la voix de la richesse. Donc je devais te tuer. Qu'est-ce que tu as pour moi? Ah, dragon vert. Ça fait 2. Bien. Alors le dernier, ce serait le Wyrm. Dogmadex, le Wyrm s'il te plaît. Wyrm, dragon inférieur maîtrisant la magie de l'eau. Beaucoup plus calme et sage que ses cousins, il est avide de savoir et affrontera ses adversaires grâce à ses multiples sorts d'eau et de glace. D'accord, d'accord, ok, alors c'est une énigme, c'est une énigme. C'est pas du tout une énigme, mais bon. Alors réfléchissons. Ce dragon aime la sagesse. Dans quel genre de lieu on apprend de la sagesse? On apprend de la sagesse dans les écoles, dans les églises, dans les réunions des alcooliques anonymes aussi peut-être, dans les temples, aussi dans les temples. Dans les temples. On garde ça. Église, école, temple. Le Wyrm utilise la magie de l'eau, de la glace. Donc il y a beaucoup de magie de l'eau. Donc le temple, l'église de l'eau, le temple de l'eau. Le temple de l'eau, le temple du dieu fleuve. T'as vu ça et tout? Transition et tout. Temple du dieu fleuve. Là! Allons-y! En fait, on vient emmerder les dragons dans leur environnement naturel pour les tuer et leur piquer quelque chose. C'est totalement dégueulasse, mais bon. On est humain, alors on a l'habitude. Ya! Ah merde, j'ai plus d'eau. Je suis tout imbibé! Voilà! Allons-y. Il doit être au fond. Au fin fond du fond du fond. Je t'ai vu! Je t'ai vu! Je t'ai vu aussi! J'ai des yeux perçants! Je t'ai vu! Stratégie. Je vois quelque chose dans l'ombre. C'est lui! C'est lui. Méfiez-vous, amis. Ce dragon a l'air d'être le plus sage d'entre tous. Il n'en est pas moins redoutable. Attaquez! Je ne suis pas ton congénère! Il est où ton cœur? Sur ton ventre! Attention à ces sortilèges! Mec, tu t'es trompé, je ne suis pas un dragon! Dovahkiin, c'est dans un autre jeu! Subis mon courroux! Il en a rien à foutre de ce que je lui fais. Oh, il était vénère. Pompier, pompier, hop là. Pompier. Ow. On ne dérange pas les pompiers quand ils travaillent. Désolé monsieur, par la Convention de Genève, il est interdit de voler dans des lieux couverts. Veuillez aller en terrasse. Et voilà! Comme j'ai dit à ton frère, comprends bien que ça fait plus mal qu'à toi, mais j'ai besoin d'un truc que tu as! Et que tu aurais certainement bien voulu me céder, vu que les dragons sont sages si je te l'avais demandé, mais comme je suis humain, je préfère te tuer. Voilà! Subis la colère d'Avin, bâtard! Par contre, détruis pas la salle, on est dedans. Hein. Et voilà! L'écaille du dragon azur. Et une larme de Wyrm. Aïe 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 aïe. Bien. Eh, la voix off. Ça y est, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai chassé la Wyvern, le Drake et la Wyrm. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Oh, attends, moi j'emmène. Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'ai chopé les trois trucs. Qu'est-ce que je fais maintenant? Va là où repose le plus grand des insurgés. Transfère leur pouvoir dans une transpierre et tu apprendras la vérité. C'est tout? Maintenant, faut que j'y retourne. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que cette voix off est une fumisterie. Alors, le plus grand des insurgés, le plus grand des insurgés. Le plus grand des insurgés, c'est Angus McFife. Mais il est mort il y a longtemps. Où est-ce qu'il repose? Il repose pas ici. Personne n'a retrouvé son corps. En tout cas, c'est ce qu'ils disent dans le registre de mes ancêtres. Angus McFife, un jour, je serai comme toi. Le plus grand des insurgés, le plus grand des... La carte! Je suis la carte! Le plus grand des insurgés, le plus grand des insurgés. Là, il n'y a rien. Sanctuaire du conquérant, c'est peut-être là. Tombe du voyageur inconnu. Non, si c'était un insurgé, il l'aurait dit. Cabane de mineur, c'est loin d'être un insurgé. La crevasse de la nuit, c'est loin d'être un insurgé. Nanana. Le voilà. C'était en fait, il ne parlait pas d'un insurgé réel, mais d'un insurgé dessiné. Qui, évidemment, dessiné à cette taille-là, est le plus grand. Bien. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est au prochain épisode que nous allons résoudre cette quête mystérieuse, incommensurable, aux pouvoirs occultes, difformes et ténébreux. Moi, je vous dis, au prochain épisode, n'hésitez pas à liker, si ça fait plaisir, liker si vous likez, à partager, si vous aimez partager les choses, si vous êtes des égoïstes, bah, partagez quand même, apprenez, ça fait pas mal. Et moi, je vous dis, au prochain épisode pour la suite de la quête. À ciao tout le monde.